un discours du maire, donc on devait attendre le discours. Et puis, on doit faire aussi des. Qualcuno può dare un po' di tempo. Alla festa dei pompieri, però pompiere. Ho pensato a questo perché lei era da piccola era pompiere. Io da piccola ero pompiere e ascoltava durante questa festa Ma tu étais pompier, vous. Perché, alors, ça s'appelle jeune sapeur-pompier. Ah, et jeune. Comment dire ça permet à des jeunes qui ont envie de s'engager, qui aiment secourir les gens, qui ont envie d'apprendre, d'essayer. C'est entre 15 ans et 18 ans. Tra i 15 e 17 anni c'è la possibilità di fare del volontariato con giovani pompieri per le persone che piace soccorrere le persone e aiutare gli altri. Et du coup, ça m'avait beaucoup touchée parce qu'il y avait aussi des personnes qui avaient été dans la résistance, des personnes qui étaient des anciens combattants, et donc tout le monde était là avec des beaux costumes. Et questa cosa mi aveva tanto colpito perché all'interno di questa manifestazione c'erano persone anziane che hanno fatto la resistenza e anziani combattenti che avevano le loro divise, avevano le loro vestiti. Aussi, il y avait donc des instruments de musique. J'ai trouvé que c'était très noble et très, très sacré en fait. Et quindi io l'ho trovato molto nobile e sacro questo momento. Et à un moment, il y avait aussi une minute de silence. Donc je trouve que c'est important aussi de scénographiquement de peut-être utiliser ça aussi. E c'era appunto anche un minuto di silenzio e lei l'ha trovato scenograficamente d'impatto questo momento. Scusami, c'è stato pompieri o anche altre forze militari o altre seulement pompiers ou autres forces militaires? Non, c'était seulement jeune pompier. C'est ça. Ensuite, il y a des personnes jeunes qui continuent après, par la suite, et qui choisissent d'en faire un métier. Voilà. Donc, ces jeunes pompiers sont devenus des personnes qui ont choisi de faire un métier. Mais officiellement. Voilà. Et pourquoi il y a les minutes de silence, tu sais, enfin, pourquoi... C'est en fait pour de commémoration par rapport aux personnes qui sont décédées pendant la guerre, c'est lié à la On observe une minute de silence, mais voilà, c'était aussi, il faisait très chaud, et donc il y avait des personnes qui tombaient dans les pommes, c'est la Noissée, et donc quand on avait réussi à rester jusqu'au bout, on se sentait vraiment fiers. Un momento di sollievo. Non sono morto. Ho vinto. Tu as trouvé autre image et d'autres par hasard. Ah, altro? Oui, ho visto la nature du peintre Goya. Et le titre, c'est l'enterrement de la sardine. L'enterrement est l'allée de la sardine. Et c'est une fête à Madrid, il me semble. Et une fête à Madrid. En fait, c'est une fête qui existe réellement. Okay.
Mais du coup, donc elle a été la représentée en peinture, mais c'est vrai qu'après, donc, c'est le fait qu'il existe réellement. Et un artiste qui existe réellement, c'est Goya, n'est pas voilà. À Madrid. Ah, ma dire. 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 In testa devo ancora lavorare su, ma sembra che sia una fête en fait pour commémorer, je crois, un petit peu des, la Sardine, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est pour faire des commémorations des personnes qui sont parties l'année qui est en cours. Voilà, il faudrait, faudrait que je travaille encore dessus. Voilà. C'est une fête en bord, j'imagine que c'est en bord de mer ou non? Je pense. N'est-ce pas? J'ai fait quelques photos sur mon téléphone, peut-être je peux... Sur la côte. Et peut-être qu'ils la font en Portugal. Ah oui. Ça vient de la Sardaigne.